Demandez, vous pouvez pas regarder quand vous voulez. Excusez-moi, je suis vraiment désolé, je ne l'ai pas fait exprès, sincèrement. C'est bon, bro. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Vous en êtes sûr? Si vous voulez, je vous amène à l'hôpital, montez dans la voiture. Non, ça va. Ne vous inquiétez pas. Vous en êtes sûr? Sincèrement, je m'excuse encore, je suis vraiment désolé. Oui, vous êtes désolé. Lorsque vous êtes au volant, apprenez à regarder droit devant vous. C'est vrai, vous avez totalement raison. Mais s'il vous plaît, pour être sûr que derrière moi, vous n'ayez aucun problème de santé, j'aimerais avoir votre numéro. Non. Non, Tao, c'est mieux que tu lui passes ton numéro. Il vient de te renverser, donc c'est normal qu'il prenne soin de toi les jours à venir. Merci. En passant, voici ma carte. Au cas où quelque chose d'accord. C'est bon. Ok, merci. Le prénom, c'est... Vous avez dit le prénom, c'est... Tao. Sincèrement, désolé encore. Ah, c'est ça. Mais Mola, qu'est-ce qui t'arrive? Comment ça, qu'est-ce qui arrive? Quand tu vois le type là, tu sens qu'il a de l'argent. Et mon problème est où dedans? Ton problème est où dedans? C'est le genre d'occasion que nous tous on attend. Quand c'est le genre comme ça, tu dois le soucier juste à le blesser si possible. Alex, tu vois que tu es fou. Écoute, actuellement, tu n'as pas raté ta femme. Regarde, il faut ma salle, dis donc. Attends, donc tout ce qui t'intéresse, c'est la propreté. Écoute, Alex, Angela ne doit surtout pas nous voir dans cet état. Alors, je t'achète mes filles quelques fringues. D'accord, monsieur Fro, comme toujours. Attends. Je t'ai déjà dit que quand tu entres chez moi, tu dois avoir le sourire sur les lèvres. Ma vie est déjà assez stressante comme ça pour que tu la stresses encore avec tes humeurs. Le mignon garçon boude parce qu'il s'est fait salir. Tu as de véritables problèmes existentiels. En fait, une voiture qui l'a renversé. Quoi? Où ça? Tao, tu vas bien? Angela, ça va, ça va. Non, c'est pour ce côté, tout va bien, tout va bien. C'est juste que Princesse Bali est énervée parce qu'il s'est fait salir. Alex, tu l'as fait. Excuse-moi, père. Mon amour. Comment vas-tu, chérie? Ça peut aller. C'est vrai que la journée était un peu compliquée, mais ça va. Et toi, qu'est-ce que tu fais? La date de notre mariage approche à grands pas. Donc je dois me rassurer que tout soit parfait ce jour. Peut-être que je me trompe, mais n'est-ce pas la raison pour laquelle tu as engagé une wedding planner? Oui, mais je dois jeter un coup d'œil à son travail. Elle ne va quand même pas tout nous imposer, ce n'est pas son mariage. Effectivement, ce n'est pas son mariage. Alors là, comment va la plus jolie, ravissante et merveilleuse directrice de campagne du monde mondial? Merveilleuse femme au monde que je suis, va super bien. Vous deux. Bon, les filles. Ouais. Vous allez continuer de faire ce que vous faisiez. Le temps pour moi d'aller prendre une douche. Et je d'accord. Vous rejoins. D'accord. D'accord. Tu fais bien de jeter un coup d'œil sur le travail de cette fille. Je ne lui fais pas totalement confiance. C'est normal, c'est mon mariage. Rien n'est validé sans mon accord. Bien sûr. Oui, allô? C'est de la part de qui, s'il vous plaît? Mais ne vous inquiétez plus, ça va. Demain, ça dépendra de Léo. D'accord, ça marche. À demain alors. C'était qui? Le monsieur qui m'a renversé la dernière fois. Il voulait s'assurer si tout va bien. Quoi? Il veut juste qu'on se voit demain. Ok,
Tu viendras me raconter. Ouais, c'est ça. Salut la compagnie. Salut bébé. Ça va, bébé. Ça va. Ça va. Bébé, je ne te vois pas beaucoup ces temps-ci. C'est vrai, bébé. Tu sais, mon boss prépare sa campagne électorale. Et du coup, je dois veiller et à sa sécurité et à celle de son équipe. Ce n'est pas évident. C'est quand même toi le chef. Tu peux laisser tes hommes travailler et venir prendre soin de ton bébé. Toi, au cas où vous l'aurez peut-être oublié, je suis présent dans la pièce. Il y a votre chambre pour la suite de ça. Ferme les yeux. T'aimes les jeux. T'as dit où il est? Non, j'essaie juste qu'il arrive. Je l'appelle depuis, il ne me répond pas. Normal, vu qu'il sait que tu vas bavarder dans ses oreilles, comme d'habitude. Mais avec raison, c'est normal qu'il fasse attendre à ce point. L'Indien vient à peine de faire 3 minutes ici, là. Tu ne vois pas que tu exagères. De toutes les façons, 3 minutes, c'est déjà beaucoup. Hein. Ok, d'accord. Bonsoir Tao, et désolé pour l'énorme retard, et merci d'avoir attendu. J'étais sur le point de partir. Non, non, s'il te plaît, attends. En fait, je suis en pleine campagne électorale pour le poste de député. Du coup, mes journées sont assez pleines. Donc voilà la raison de mon retard. Mais tu n'as rien commandé à boire ou à manger? J'ai préféré attendre. Tao, si je t'ai fait venir ce soir, c'est parce que j'avais quelque chose de très important à te dire. Je souhaiterais que tu ne prennes pas cela mal. Prends pas mal. Mais de quoi tu es question? Tao, tu n'es plus un gamin. Donc je ne vais pas aller par quatre chemins pour te dire ce que j'ai à te dire. Tu me plais énormément. Quoi? Steve, tu dis quoi? Calme-toi. C'est la raison pour laquelle tu m'as fait venir ici. Calme-toi, essaye. Et tu me demandes de me calmer. Tao, ne prends pas. Ne m'appelle plus jamais. J'espère que j'ai été clair. Enfin, tu te pointes. Bébé, s'il te plaît, je ne suis pas d'humeur. Est-ce que nous pouvons partir? Oh, tu n'es pas d'humeur. Et moi donc, mon humeur, qu'est-ce que tu en fais? Donc non seulement tu me fais patienter, mais aussi tu arrives avec un visage froissé de colère. Tu ne t'excuses même pas. Lindsay, je viens à peine de m'excuser. Est-ce que nous pouvons partir? Ne me coupe pas quand je me libère. Je veux parler alors, je vais parler. Lindsay, vas-y, parle! Explose! Ne me parle pas comme ça. En tout cas, moi, je vous aide. Est-ce que nous pouvons partir? Ne me touche pas. Ok. Madame, vous avez fait appel à moi. Oui, Clem. Tout à l'heure, Eva et moi allons sortir. S'il te plaît, prépare deux personnes qui vont nous accompagner. Mais je peux le faire personnellement. Quand on rentrera, tu iras m'attendre dans notre havre de paix. Le temps pour moi de me mettre encore ici. Bien sûr, ma beauté. Madame, si vous n'avez plus besoin de moi, je peux me retirer. Tu peux disposer. Tu es prête? Oui. Clem organise tout pour notre départ. Ok. Oh.
Mais sinon, mon ami, ce n'est pas parce que je suis célibataire que ta petite amie et toi, vous allez toujours me faire subir vos petites disputes de couple à chaque temps. Hein. Sérieux? Alexis, frère, je suis sincèrement désolé, vraiment. En tout cas, laisse couler. Dis-moi, tu disais que qu'est-ce qui te rend si colérique les temps-ci? Tu poses la bonne question. Tu te souviens du monsieur qui m'a renversé dernièrement avec sa voiture? Ouais, bien sûr. Figure-toi qu'il osait me faire des avances. Pourquoi? Carrément. Non, qui espère être député dans ce pays, ce monde est vraiment pour y aller. Attends. Et quelle a été ta réaction? À ton avis, dernièrement, j'étais au restaurant. Et lorsqu'il m'a fait ses avances, j'ai juste eu envie de taper sur lui. Ça veut dire que tu t'es même trop retenu. Mais ne t'en fais pas. J'ai résolu ça de la plus douce des manières possibles. Je l'ai bloqué. Il fait demander de ne plus jamais me contacter. Mais il y a des solutions, mon ami. Merde. Comment? Mais qu'est-ce que tu peux être stupide des fois? Pardon, Gila. Alex, tu peux nous laisser? Moi? Oui, toi. Rentre. Alexis, on est ensemble. Yes, mon gars. Angela, qu'est-ce qui t'arrive? Quand tu es face à une situation, tu peux parfois utiliser ton cerveau. Je ne te comprends pas. Un député te fait la cour. Au lieu de te comporter comme un gamin, ce que tu as fait, essaie plutôt de tirer avantage de la situation. Angela, tirer avantage de quelle situation? Tao, tu penses que nous sommes dans le monde des bisounours, peut-être? Nous ne sommes pas chez Alice, au pays des merveilles. Ce monde est rempli de tellement d'imperfections, les choses négatives. Essaye plutôt de les transformer en des choses positives. Angela, qu'est-ce que tu me conseilles comme ça? Tao, je ne te demande pas d'accepter les avances de ce monsieur. Mais de lui faire du chantage. Tu lui laisses croire que tu adhères à ses désirs et tu récoltes le max de preuves compromettantes. Et puis, bam! Tu lances le moteur. Angela, c'est impossible. J'ai mes principes. Oh, chiotte tes principes! Tu penses que si moi, je mettais mes principes en avant, tu serais dans cette maison? Tu mangerais tous les jours? Tes études, c'est toujours et encore moi. Je suis tout le temps à la maison. Tu penses que je travaille où? Tu sais quoi, Tao? Je pense qu'il est temps que tu commences à payer les factures dans cette maison. Angela, ma propre soeur, tu me fais le chantage. C'est ton problème. J'ai parlé. Tu sais quoi faire, idiot! Mon amour,
comme chaque soir, chérie. Tu es seule? Oui, oui, ta soeur, je ne sais pas où elle est. Celle-là qui ne dit jamais où elle va. Moi, j'ai très faim. Je ne pense pas qu'on va l'attendre pour dîner. D'accord, tu prends ton bain le temps que je dresse la table. Cette situation de toujours se voir en cachet ne m'arrange vraiment plus. Je sais. Sois juste patient. C'est pas évident de ficeliser cette relation. Mais tu es célibataire et moi aussi. Il y a quoi? Mais tu es le chef de sécurité de mon frère. Ah, d'accord. Donc, c'est mon rang social le problème, c'est ça? Non, non, non. Bref, je vais y penser. Je t'aime. Ne doute pas de ça. Je viens te faire un dépôt. Tiens, un ange, bébé. Quoi? Attends. Il t'a donné le nom de ce député? Non. Merde. Mais je pense qu'avec toutes les informations que tu viens de me donner, il s'agit bien du député Sifuda. Mais si c'est ça que ton petit frère ne fasse pas ça, il va nous faire louper un gros poisson comme ça. Je suis dépassée, chérie. Non. Je vais lui dire deux mots. Il est au salon, n'est-ce pas? Il faut que je le conseille. Jeune homme, qu'est-ce que tu fais? Je regarde la télé, Clem. Est-ce que tu regardes ça à l'intéressant? Pas vraiment. C'est juste qu'il n'y a pas mieux. Ok. Assois-toi, je vais te parler d'un truc. Ta soeur m'a parlé de ton problème par rapport au député. Je ne vais pas entrer dans les détails, juste te dire de faire ce qu'il faut. Vous avez fini par me rendre fou avec cette histoire. Comment ça fait ce qu'il faut? Fiston, tu sais, un vrai homme sait saisir les opportunités qui s'offrent à lui. Si tu laisses ta chance de te faire du fric, je t'assure que tu vas rester dans la pauvreté extrême. Pense à ta sœur. C'est elle qui s'occupe de toi depuis plusieurs années déjà. Essaye au moins de l'alléger avec ça. Je sais que tu es un grand garçon. Donc, je te laisse réfléchir à ça. Non, non, non et non, c'est pas ce que j'ai demandé, ne vous foutez pas de ma gueule. Prenez ce que j'ai demandé, changez-moi ces fleurs. Arrêtez de me faire chier. Oh là là, il y a quelqu'un qui est fâché. En avant. Je suis dépassée à quel point ces organisateurs peuvent être stupides. Ok, ils sont stupides, ils sont bêtes, ils sont tout ce que tu veux, mais toi, tu vas te relaxer. Tu as besoin d'un bon massage. Je vais te faire ça. D'accord. Ça pas aujourd'hui. Du moins, c'est pas tout de suite. Ils n'ont pas le droit de t'obliger à faire ça. Bébé, je suis complètement perdu. Je ne sais pas quoi faire. D'abord que le mari de ta soeur. Je l'ai toujours vu d'un crème mauvais œil. Tu n'as pas le droit de parler. C'est de mon oncle que tu parles.
Pourquoi vous faites ça? Écoute, petite. Je suis encore calme. Sors de chez moi. Angie. J'ai dit. Qu'est-ce ça? Bébé, je te raccompagne. Quoi? Tu me poses ce qui te sert d'amortisseur sur ce fauteuil. Ouch. Bébé va te rappeler. Bébé, mon cœur. Qu'est-ce que tu as décidé? Que faut-il faire? Sincèrement, je n'y croyais pas quand j'ai vu ton appel. Entre, s'il te plaît. Sincèrement, Tao, je n'en reviens pas que tu sois ici. Et c'est vrai que la question que je me suis posée, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu changes d'avis? Peut-être que je t'embrouille avec mes questions. Tu veux boire quelque chose? Non, merci. Ça va. Tu en es sûr? Oui, ça va, merci. Je peux appeler à la réception. Non, non, c'est bon. Ne te dérange pas. D'accord. Bon, je ne sais pas. Excuse-moi. Parce qu'ils ont l'habitude de laisser sur leur carte et tout. Bon, bref. Tao, je ne sais pas vraiment ce qui t'a fait changer d'avis. La curiosité. La curiosité? Ouais. Bon. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire que la curiosité est un vilain défaut, mais en même temps, c'est quelque chose qui nous aide aussi à découvrir certaines choses qui pourrait nous faire plaisir ou nous plaire, on ne sait jamais. Voilà. En fait, Tao, tu n'es pas un gamin. Donc, je ne vais pas revenir sur certaines choses. C'est comme ça que je suis, Tao. J'ai du mal, parfois, à mettre ce côté en avant. Tu sais, nous sommes dans une société un peu complexe, un peu comprimée. Faire savoir aux gens que voilà, moi j'ai une autre orientation, c'est un peu compliqué. Je te comprends parfaitement. Et crois-moi, je ne te juge pas. Sûrement, merci. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai jeté mon dévolu sur toi parce que je pense que tu es quelqu'un de bien. Quelqu'un qui peut-être. Steve, il faut que je rentre. Déjà? Ouais, ma grande sœur m'attend et je pense qu'elle est en train de s'inquiéter. J'espère que je t'ai pas mis mal à l'aise. Non, non, non. Mais t'inquiète surtout pas. Ok. Je vais te raccompagner. On va remettre ça. D'accord. J'ai pensé à ce que tu m'as dit. Et qu'est-ce que tu as décidé? Je suis longtemps restée seule. Laisse-moi préparer mon frère à tout ça. D'accord. Prends ton temps. Je suis déjà content que tu aies pensé à la chose. Le cœur a parlé. Dis, tu sais où est mon frère? Il est sorti tout seul. Il n'a pas voulu qu'on l'accompagne. C'est curieux, ça. C'est un homme. Il a besoin de temps en temps de son intimité. Si tu le dis. Mais il faut qu'il fasse attention à lui. Il est au top dans les sondages. Faudrait pas qu'une distraction quelconque l'éloigne de l'objectif principal. Si ce n'est que pour ça, tu
tu n'as pas à t'en faire. Je ne connais pas un homme qui soit plus travailleur que M. Fouda. Tu sais, en attendant, on peut se faire une petite gâte. Non, mais tu te rends compte qu'Angela ose me mettre à la porte? Et alors? Elle a tout ce droit à chez elle, non? Donc tu la supportes, ça? Non, mais c'est juste que tu en fais tout un drame. Oh! J'ai fait tout un drame. Donc je suis là en train de te parler de quelque chose de sérieux. Pourtant, c'est que j'ai fait tout un drame. Ok, j'ai compris. Reste supportée, Angela. Seigneur Jésus, merci pour ce célibat. Parce que je ne comprends pas comment Tao fait pour supporter la fille. Oui, Tao, c'est quoi ce message? Je ne sais plus lire. Dans tous les cas, c'est comme tu as vu. J'ai assez d'éléments pour te détruire, toi, ainsi que ta carrière. Pardon? Tu peux tout arrêter. Donne-moi juste ce que je te demande. Écoute, je... Allô? J'arrive, mon amour. Comment j'étais? Tu étais très convaincant. Pense à faire des castings, parce que tu es un très bon jeu d'acteur. S'il vous plaît, de grâce. J'espère qu'après ceci, on n'oserait plus jamais rien me demander de la sorte. Relax, jeune homme. Et bienvenue dans le club. Chérie, il faut que tu partes. D'accord. Mais pourquoi Tao? Pourquoi tu fais tout ça? Mais dis-moi, c'est un de mes adversaires qui est caché derrière tout ça, n'est-ce pas? Tao, je ne t'ai rien fait de mal, mais pourquoi tu fais tout ça? Steve, donne-moi tout simplement ce que tu es venu chercher. Il doit partir.
Ciao. Tu ne diras plus jamais que je n'ai rien fait pour cette maison. Voilà 2 millions. Waouh! Mon petit frère chéri! Je fasse les Monsieur, vous allez bien? Ah, Clem. Oui, ça va, ne t'inquiète pas. Mais qu'est-ce que tu fais encore ici à cette heure? Il faut rentrer. D'accord, monsieur. Je vais juste donner des directives à l'équipe de nuit. D'accord. Bonne soirée, monsieur. Bébé, dépêche-toi, s'il te plaît. Oh. Tu vas faire le plus, je pense, oui. Oh, là, là. Ça, c'est ma femme. Oh, bébé, tu es belle. Oh, je vais la faire tout ça, parce que là, tu sais, j'ai déjà commencé à esquisser cette petite danse, là. Ça va péter fort, bébé. Oh. Mais tu penses pas qu'on devait partir aussi avec Tao? Il a quand même bien travaillé. Il n'acceptera pas. Ok, il n'y a pas de souci. De toutes les façons, on va s'amuser. Je t'ouvre la porte, moi. Merci. Millions. Comment tu as pu faire ça? Lindsay, je t'ai déjà dit, la vie si ce n'est pas le moment que... Toi, reste en dehors. Kao, je ne sais pas si tu es conscient que ça fait de toi un criminel. Criminel quoi? Bébé, pourquoi faut toujours que tu exagères à ce point? Il ne tue personne, voyons. Certes, mais tu escroques les gens. Ah. En tout cas, mon frère, c'est depuis la maternelle que nous, on s'arrêtait main dans la main pour partir à l'école. Donc... Je vais seulement donner ma part parce que le déo c'est vraiment dur là. Alex, je crois que toi je vais te tuer de mes propres mains. Oui, c'est ce que je vais faire. Je vais te tuer de mes propres mains, Alex. Moi, j'ai fait quoi? Mariez-vous. Tu me fais regretter tous les mots doux que j'étais avancé. Malgré ton corps, tu m'es la tête trop fautive. C'est à toi de t'aider dans l'état de beauté. Ah, yeah. Qu'est-ce que c'est que j'ai ça? Mon amour de petit frère.
Qu'est-ce qu'il y a, Angela? C'est quoi cette façon de me reprendre? Tout le monde sait très bien que tu ne m'appelles jamais amour de petit frère pour rien. Vas-y, crache le morceau. Tao, tu ne trouves pas que le luxe a un très bon goût? Pour toi, je ne voudrais pas en parler. Tous tes problèmes ont été résolus en un rien de temps. Oui, mais... Mais rien. Ok, rien. De toutes les façons, j'ai effacé le numéro de ce monsieur. Mais avant, je l'ai bloqué. J'espère que tu es fier de toi. Ça va, bébé? C'est quoi cette tête que tu me fais là? Ce petit con n'a plus le numéro de notre proie. C'est un petit problème là-bas. Je te donne son numéro et tu continues de jouer le jeu. Tu continues de te faire passer pour lui. Hein? Bonne idée. Alors, voilà, là, je le trouve ton joli sourire. Là, tu faisais quoi? TikTok, c'est ça? Ouais. Mais je suis même pas inspirée. Là, je t'ai donné le sourire, tu dois retrouver l'inspiration. Oui, c'est vrai. Bébé, je pense qu'il faut qu'on déménage. Je trouve désormais cet endroit tellement petit. Je vois que tu as déjà la folie des grandeurs. Mais je pense qu'il faut qu'on arrête ce petit chantage qu'on fait à ce pauvre type. Il risque de se fatiguer et riposter. Oui, mais laisse-moi encore en profiter un tout petit peu. D'accord. Je pense qu'il te faut me faire une pellicule. Ouais, c'est vrai. Trois mois déjà, ça vit. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça fait un moment que tu fais cette mine. Tu es devenu silencieux et distant. Eva n'a rien remarqué, vu qu'elle est occupée par les préparatifs de votre mariage. Amy, je vais bien. Dis ça à quelqu'un qui ne te connaît pas. Parle-moi. Si tu te confies pas à moi, tu le feras chez qui? En plus, bientôt les élections. C'est avec cette tête que tu vas espérer convaincre les électeurs? Amy, je ne t'ai jamais parlé de mon problème de bisexualité. Mais voilà qu'aujourd'hui, c'est en train de me porter préjudice. Pardon? Actuellement, je subis un chantage incessant de la part d'un jeune homme que j'ai rencontré il y a quelques jours. Et depuis quelque temps, il ne cesse de multiplier les astuces pour me ruiner. Et il menace même de détruire ma carrière. Écoute, tu es mon petit frère et je serai toujours de ton côté. Quelqu'un ne peut pas sortir de nulle part et venir briser ce qu'on a souffert à construire. Vas-y,
Donne-moi toutes les informations de ce type. Et ce problème devient mien. Je vous envoie les coordonnées de ce jeune homme. Trouvez-le-moi et faites-lui se taire à jamais. Hé, chérie, tu es là? Oui. Je suis en train de résoudre un petit problème. Ok, s'il te plaît, donne-moi deux petites minutes. Ok. J'ai un petit truc. D'accord. Décroche, merde. Allô? Oui, allô. Tao avec toi? Non. Pourquoi? Oui, s'il te plaît, retrouve-le et mets-le à l'abri. Mais bébé, je ne te comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Ne me pose pas de questions, fais ce que je te dis. Y aller. Mon amour. Comment tu vas? Plutôt bien. Qu'est-ce que tu fais? Oh, des choses de femme. Ça a un rapport avec le mariage, c'est ça? Toujours. Je vais commander des colombes pour quand je te dirai oui. Des colombes? C'est pas un peu trop? Non. Ce n'est jamais trop quand il s'agit de mon mariage. Une minute, s'il te plaît. Oui, allô, Frangie. J'ai causé avec le jeune homme. Ne t'inquiète pas, il ne t'importunera plus. Tu es sérieuse? Oui, oui. Maintenant, tu peux dormir tranquille. Gagnons cette élection. Et organisons le mariage calmement. Yes! Frangine, je t'adore. Tu es la meilleure. Bisous, je t'aime. Je t'aime aussi. Yes! Voilà, la plus belle femme du monde. Qu'est-ce qui te dérangeait? Des histoires, parfois rien. Bref, pas important. Tu sais que je t'aime. Moi aussi. Beaucoup. Moi aussi. Beaucoup, beaucoup. Oui. Voilà, j'ai repensé à ton histoire de colombe, tu vois. Oui. Je me suis dit, et si on prenait des oiseaux normaux et qu'on les payait en blanc? Oh, j'ai trop peur. Je t'aime. Merde, ça ne passe pas. Merde, Tao, décroche. Ça fait 14 fois que je t'appelle. Ça ne passe pas. Merde!
Appelle sa soeur. Lindsay, qu'est-ce qui se passe? Tao va bien? Angela, retrouve dans la rue 14, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as fait à mon frère?